Est-ce qu'il marche là ce coup-ci? Est-ce qu'on va avoir quelque chose ou est-ce qu'il va me casser les couilles le OBS de ses morts? On va juste regarder s'il marche, OBS, ce serait pas mal. Ouais, je l'ai là. Pourquoi ça me fait un écran tout noir là? Oh putain, mais ça me casse les burnes, putain de merde! Oh vas-y. Putain, je pourrais rien faire donc comme ça. Ah putain. Bon, vas-y, ça me casse les couilles. Attendez, j'arrive, hein, mais j'ai juste un problème avec OBS. Là, vous voyez rien du tout, c'est normal. Il y a OBS qui me casse les couilles. Et là, ça commence sérieusement à me casser les burnes. C'est le cas de le dire. Hop. La capture d'écran ne se fait pas. Alors, pourquoi? Bon, on sait pas. Capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Alors, comme ça, c'est fait. Par défaut, ouais. Oh non, non, j'ai un gros problème avec mes captures d'écran, c'est une catastrophe. Oh là là, putain de ta mère d'OBS de merde. Là, j'ai quand même un gros souci. Oh, ça me casse les couilles, sérieusement. Donc on va voir si on voit quelque chose. Normalement, on devrait voir quelque chose là. Ah, bon bah c'est bon. Je m'excuse, j'avais un gros problème avec OBS là. Là, franchement, ça n'allait pas du tout. OBS me fait chier, mais comme il faut en ce moment. OBS me fait chier. Donc, on va continuer notre petit chantier de pelleteuse. Lui, on va le. On va se le déposer là. Là, j'ai mis plus de 5 minutes à arriver sur le live. Alors là, voyons. Ah, que je vois comment que ça se fait que OBS il réagit plus comme ça, là, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. On va régler ça. Et puis voilà. C'est pas. On va bien arriver à trouver une solution pour OBS parce que OBS là je sais pas ce qu'il fait mais il rame. Il faudra que je le désinstalle et que je le réinstalle OBS je pense. Ça sera plus simple. Bon et puis là j'ai plus de juristique pour tourner là, qu'est-ce qui se passe? Oh qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans ce coup-ci j'ai même la manette qui merde alors comme ça. Eh ben, donc j'arrive à avancer, mais j'arrive plus à rien faire. Alors attends, parce que là, bon, ben là, ça marche. Ça fonctionne. Et je monte dans la pelle, il n'y a rien qui bouge. Bon.
Attendez, on va aller voir là-dedans. Ouais, il y a quand même quelque chose qui va pas là. Ma Volvo ne veut plus y aller. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. D'accord, là ça marche. Bon. Là, ça marche une fois sur deux. Alors là, je comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce truc-là, là? Bon. On va se retourner ça. Bon, enfin. On va y arriver. On va y arriver. Le problème qui se fait, c'est que, bah voilà. Ma capture d'écran, elle se faisait pas, donc je suis désolé. J'ai mis du temps à arriver. Je vais juste me retourner ça parce que là, c'est pareil. Ça, c'est pas ce qu'il m'a fait, là. On va y aller comme ça. Du coup, l'autre vidéo, je vais être obligé de la supprimer. J'aurai pas le choix. Bon, est-ce que ça, je vais arriver à le retourner, quoi? Bon, c'est mort, à mon avis. Putain, je l'ai détaché, alors je vous dis pas le bordel. On va faire comme ça, hein. Si on y arrive. Putain. Ah là 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 là. D'accord, ça me le couche, on va pas se demander pourquoi. Voilà. Donc, nous allons... Qui veut rejoindre? C'est qui celui-là? Écoute mon pote, on est déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Bah normalement... On va se mettre notre camion en dessous. Mais bon, des fois ça va mal. Hein.
Moi, je vous dis quand ça va mal, ça va mal. Alors que je vois comment que ce soit que mes capturades se font trop mal parce que disons c'est chiant. Ah, je peux pas tourner là, c'est quoi ce bazar? Ah bah bien moi. Comme ça, je peux tourner normalement, mais que je voie comment que ça se fait que ça merde. Merde. Et là, il marche. Bah, il fonctionne du moins, parce que ça a pas de jambes. Donc quand on se met comme ça tournait bien et quand on se met comme ça, bon bah voilà, c'est comme ça que ça. Comment que ça me fait un écran tout noir derrière ce coup-ci? Et donc, ben si. Il lutte, hein! Ah non, c'est bon. Je pensais que OBS allait me lâcher. Mais bon, ça aurait pu aussi, hein. On va y arriver à force. On va pas. Faut plus persévérer et on va y arriver. Attendez, je suis sur quelque chose. Salut, Pierre. Comment vas-tu?
Bah écoute ça, bon, mais tranquille quoi. À part que j'ai un peu OBS qui me fait chier, mais sinon ça va quoi. OBS il a pas voulu se mettre en route ce soir donc. Un peu la chiotte, mais bon. Sinon ça va. Hein. Ça va, ça va. Et toi? Je vais juste faire une petite pause 5 minutes. Que j'aille coucher un coup mon gamin là. Là, je rêve un peu comme un tapé quand même. Ah bah c'est cool. Si tu peux t'embaucher après. Déjà oui, il faut déjà que tu fasses ton apprentissage. Mais déjà, s'ils veulent bien le faire, ça sera bien déjà. Ce sera une bonne nouvelle. Je peux pas voir comme ça moi. Je vais juste retirer un petit coup ma Volvo là. Ça va pas le faire sinon. C'est pas la Volvo, c'est le. C'est celui-là. Je puisse bosser tranquille. Je vais vous mettre en pause 5 minutes, les gens. Je vais coucher mon gamin et je vais me faire un café. Et je vous reprends après. À tout de suite.
Me revoilà. Bon. Par contre, ce que je vais faire, c'est que... C'est d'avancer un peu le temps, parce que là... C'est d'avancer un peu le temps, ça serait pas mal. Ça va aller vite là, donc merde. Qu'on puisse se mettre au jour, ça serait bien. Hop. Voilà. Oui, donc Pierre, donc c'est bien, tu vas passer ton apprentissage tranquille, quoi. Bon, allez. On va se faire ça tranquillement. Si c'est ça que je voulais. J'ai pas eu de nouvelles d'Alex encore, je sais pas. Bon, il va peut-être venir après. Et toi, Pierre, t'as pas eu des nouvelles d'Alex des fois, non?
Ah, ça c'est un arbre. Bon, tu avances, tu recules, tu fais quoi là? Ah là là. Ah, Berk, pour mieux mon café, moi, alors ça pourrait aller bien. J'ai eu un message sur Instagram à Alex, on va voir s'il est là. Portable, je veux y aller, ça ira, voilà. Ouais, j'ai envoyé un message à Alex, il répond. On va voir. Ça m'étonne qu'il soit pas là d'ailleurs. Ça m'étonne bien. Toujours fidèle au poste d'habitude, le Alex. Oh si je peux partager là-dessus, c'est pas grave. Vas-y, on clenche, voilà.
Bon, on va se faire ça, hop, on va régler proprement. Ça sera quand même mieux que fait comme un cochon. Hop, on vide. Parce que bon, faut régler un peu partout quoi. Ah putain. Ah non. Si je baissais le bras, ça ira mieux. Ah, je me fous le codet dans la gueule pratiquement. Mais descends pas, toi! J'ai mon appel qui descend, alors comme ça c'est fait. Les pubs de merde sur le téléphone, ça me saoule. Puis genre, il faudra encore plus le téléphone, c'est fait. Je promets, le téléphone j'ai effondré encore plus. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en remettre, hein. On va se remettre le côté droit. Voilà. Du coup, ça va me vider ça à côté, moi. Allez, hop, oh putain. Mon camion, il est plein. Et voilà, ça c'est fait. Que je vais faire dans l'immédiat, c'est que attendez, bougez pas 5 minutes, je vais faire quelque chose déjà. On va aller là, on va aller là. Normalement, je dis bien normalement, hop, ça et ça. Alors, on va supprimer cette vidéo là parce que ça l'a pas été. Voilà. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Voilà, donc on va se finir ce chantier-là et je pense qu'on fera après le chantier du train. Bon, j'ai encore du temps hein, sur celui-là. J'ai encore de quoi faire, mais ça se fait petit à petit quand même. Hein. C'est le principal. Et voilà. Bon, on...
on va vider ça par ici maintenant. Oh la vache. Que j'aille pas trop loin. Ça me le vide pas entièrement. Bah super. Oh là là, bordel, fait chier ça. Putain, on va reculer. On va se les vider là si on peut. Ça sera plus simple. Comme ce sera fait. Si on peut vider là, bon, on va le vider là, voilà. C'est mieux même, moi je dis. D'accord. Allez, on emmène ça. On va baisser ça. Hop. C'est un jeu d'intérieur, c'est moi je trouve ça sympa aussi. Après dites-moi si vous préférez les vues intérieures ou les vues extérieures. Après moi je suis à l'aise partout hein, donc moi je trouve que les vues d'intérieur c'est pas mal aussi, mais bon, il y en a qui préfèrent des vues extérieures pour ces jeux-là donc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Vue d'intérieur, vue d'extérieur, ça ne me dérange pas. Là, par contre, je suis en train de vider ça, je sais pas où là. Eh ben, et pas. Ah, j'ai mis le temps à se vider, lui, le godet, là. Hop. Tac, tac. Allez, comme ça sera fait.
Après, on va aller vider notre camion parce que bon, on n'aura que ça à faire de toute manière. Ce sera plus simple. Peut-être mettre le galet droit, voilà. Hop. Voilà. On va se vider son camion. Bah attendez, moi le camion il est même pas plein que je vais aller le vider moi. Pas mal. Je voyais plus plein que ça mon camion. Oh là, oh là, oh là, bah je suis en train de tout vider côté. Bon, j'ai payé mon. J'ai loupé mon vidage, mais bon, c'est pas grave. Allez, Alexis, il répond pas sur Instagram, donc à mon avis, il doit être occupé. Bah, il a bossé aujourd'hui, donc. Quand je suis en train de vider à côté, c'est pas bien. Ça ne le fera pas. Si je vide à côté, on va pas le faire bien, ça. Descendre le toit. Par contre, arrête de te mettre vue d'intérieur là. Je suis en train de descendre le toit donc je préfère voir ce que je fais. Voilà, donc ensuite, là par contre, je crois que mon godet il va un petit peu toucher, on va dire. Ouais, un petit peu, mais ça c'est sûr qu'il risque de toucher. Là, je suis en train de faire je sais pas quoi. Hop. Appelez. C'est qui ça? Oh, Alex. Le Alex. Donc on va juste faire
parvenir sur le live. Hop. Ah, Alex, il a dû venir sur le live, je dois l'avoir vu. Bonjour, comment vas-tu? D'accord. Bah merci, c'est gentil. Bon bah comme tu le vois là, moi je suis pas dans le domaine du TP du tout. Et bon bah je m'en sors quand même, hein. Mais bon, c'est pas mon métier premier, hein, le TP. Donc comme tu peux le voir. Mais bon, c'est sympa à faire le soir quand tu rentres du boulot. Bon bah ça te fait toujours un bon petit truc, tu vois, tranquille. Hein. Effectivement, tout à fait. Après, tu es déjà venu sur ma chaîne, non? Ou c'est la première fois? Eh ben, bienvenue à toi alors. Après, comme tu le vois, bon bah je fais du terrassement. Sur cette chaîne-là, donc je fais du terrassement. Tout ce qui est terrassement, bah plein de terrassement, goudron. Et de temps en temps, bon bah quand c'est samedi pas, bon bah je fais du viticole. D'ailleurs, faudra que j'aille voir mes vaches. Ça serait pas mal. Après, comme je dis, il y a des gens, bah après ça plaît ou ça plaît pas, hein, du TP. Hein. Bon, c'est vrai que bon, bah moi je suis souvent sur la même. Je fais à peu près les mêmes choses, mais voilà, après ça plaît ou ça plaît pas. Hein, ça c'est. On peut pas savoir d'avance si ça plaît aux gens ou pas, quoi. Après, c'est pour ça que je dis, voilà. Qu'ils mettent en commentaire ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas.
Tu te balades dans... Ah d'accord, ok, ouais, tu regardes plein de lives, quoi. Ah bah oui, non mais certes, bon bah après voilà. Moi j'aime le TP parce que bon, on me l'a fait découvert, mais sinon, moi je faisais pas mal de... Comment dire? D'agriculture. Jusqu'à temps que bah j'ai un ami à moi là, qui m'a donné des conseils et qui m'a dit bah essaye, tu vas voir, c'est bien. Et puis effectivement, bon, moi je me suis mis dedans, et puis c'est vrai que c'est sympa. Mais bon, je fais pas. La plupart du temps, bon, genre, je fais du TP. Mais je ne fais pas que ça. Je fais de l'agriculture aussi. Parce que la base du jeu, c'est quand même de l'agriculture, hein. Mais c'est vrai que bon, sur ma chaîne, oui, il y a plein de TP, ça je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi que sur ma chaîne, c'est essentiellement du TP, mais moi je ne fais pas que du TP. Hein. Là, j'en fais parce que bon, je dois avancer sur la carte. Salut, Anthony. Mais bon, je ne fais pas que du TP. J'en fais souvent parce que bon, j'ai... Après une bonne journée de boulot, bah, ça fait du bien de déstresser un peu et puis voilà quoi. Te voir correctement, toi, le godet, là. Voilà. Hop. Oui, bah oui, il y en a plein. Bon, bah, il y a plein de chaînes. Bon, bah, je sais pas si tu vois BZH. C'est pareil. Bon, lui, il fait plein de chaînes. Lui, c'est que du TP essentiellement. Mais c'est un modeur. Moi, je ne suis pas un modeur. Hein. Voilà, moi je fais des parties de TP, mais je suis pas modeur. Je suis. Voilà, tous les modes que tu vois là, bon, c'est des modes privés. Et si tu veux, voilà, moi je suis pas modeur, voilà, c'est, on me les a donnés, gentiment, pour pouvoir faire justement des vidéos de TP dessus.
Voilà, tout à fait, ouais. Enfin, il y a quand même plein de chantiers sur cette carte-là. Je suis loin d'être bloqué sur cette carte-là. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de petits chantiers à faire dessus. Que veux-tu dire par là, la couleur de la communauté? Après, tu sais pas ce que tu veux dire par là, mais ouais. Après, bon, mais là, je l'ai fait plutôt le soir que la journée, parce que bon, bah la journée, je travaille. Et j'ai un petit garçon, donc bon, c'est pas facile, quoi. Après, si... Moi, voilà, moi, si vous avez des propositions que vous voulez que je fasse, il n'y a pas de souci, je pourrais les faire, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Ok, ça marche, merci. On va juste faire un... Juste après vider notre camion. Merde, pourquoi je remonte dans le même véhicule que c'est le camion que je veux? Ce sera quand même mieux. Il y en a quand même, il y en a quand même pas, ça c'est leur choix après. C'est le truc, hein.
Ah, peut-être falloir que je remette un peu de terre là, parce que j'ai l'impression que ça me fait une sacrée bosse là. Ah là, bah alors là, mon camion est deux fois trop loin, moi. Qu'est-ce que j'ai foutu, là? Salut, Alex. Comment vas-tu? Ah bah je suis d'accord, oui, soit on est passionné ou on n'y est pas, c'est sûr. Mais moi quand j'ai commencé sur farming, je pensais pas avoir des mods privés et faire du TP sur farming. Moi j'étais pas parti là-dessus au départ. Après c'est parce que voilà, je connais quelqu'un qui est très gentil et qui m'a filé des mods que je remercie. Et c'est vrai que. Mais bon, c'est vrai que ça change aussi un peu parce que de faire toujours de l'agriculture, bon bah ça va bien 5 minutes, mais c'est vrai que c'est bien aussi du TP, hein. Ouais, c'est clair, Alex. Ah bah ça, de toute manière, il y en aura toujours, hein, Alex, hein, faut pas croire, hein. Ça a été ta journée, Alex, sinon? C'est bien. Et ben moi je vais te dire que j'ai bien eu chaud aujourd'hui. Hein. Putain. Il a bien fait chaud. Bon bah moi tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Bah tiens, j'ai voulu relancer. Sors, j'ai dit, je vais faire un live. J'ai voulu lancer OBS, impossible de faire une capture d'écran le jeu pour commencer. J'ai dit putain, je sais pas ce qui se passait. Je me suis dit ça y est, je vais t'emmerder avec OBS, mais non, ça va. Ah, je sais pas, OBS, je sais pas ce que j'ai foutu avec.
sa merde en ce moment. Ah, t'as OBS toi, Alex? Merci, c'est gentil. Non, t'as pas baisse. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu avec OBS là, ça me fait des captures d'écran de fou dingue. Et au même moment que je voulais faire ma capture, boum, il a fallu que je remette le mot de passe de YouTube, tout le bordel. Putain, ça me cassait les couilles. Mais je dis, je voudrais que je fasse des lives là, parce que hier j'en ai pas fait avant-hier non plus déjà. Il y a un peu de monde de connecté ce soir. Ça change de d'habitude, c'est bien. T'as vu l'intro que j'ai mis sur... Je me suis amusé à faire des intros l'autre jour. Ah bah c'est bien ça. Si t'attends ta réponse déjà. Si t'es embauché, regarde dedans. En plus t'es en vacances. J'aimerais bien y être, je te le dis moi. T'habites où sinon Ok. C'est vers où, ouais. Tout à l'heure, il y a Pierre qui est passé, Alex. Bah, il n'est pas resté longtemps, il m'a juste dit que... Il m'a pas dit grand-chose ce soir. Il devait être... Ah, vers Paris, ouais, d'accord, ouais, bah c'est la capitale, quoi. Mantes-la-Jolie, ça me dit quelque chose, ça. Mais Mantes-la-Jolie, ça me dit quelque chose. Je crois que j'y suis déjà passé en voiture.
Et ben moi je suis de la Côte d'Or, dans le 10. Bah ouais, l'aube. Du côté de Troyes. En 78, ok. Sinon, toi, t'es dans... Ah oui, tu l'as dit. Je vais aller vider un coup ça, ça sera fait. Eh, mais à chaque fois, je crois que mon camion, il est plein, mais il est pas plein. Ah, tu sais, dans ce domaine-là, ils cherchent souvent du monde en plus, hein. Bah, tu sais, quand t'auras le bac pro, je veux dire, du boulot, t'en auras quand tu veux. T'en trouveras plus facilement. C'est ça qui est bien. Ouais, dans le TP en général, ouais. Ah bah oui, d'une manière, oui. Merde. Ah, c'est sûr qu'en général, quand tu rentres là-dedans, ils te demandent plein de trucs, hein. Ah, je vois pas pourquoi. Ça, si c'est ce que tu veux faire plus tard, hein. Je veux dire, il y a qu'en se donnant les mois.
Bon, on va essayer de faire ça comme ça. Juste une petite coupure. Je reviens. Je fais juste une petite coupure 30 secondes. Je vais aller finir ma clope, fumer mon ca et aller me faire un café. Donc je vous dis à tout de suite.
Religion, me revoilà. Bon, alors. On va juste faire comme ça, hop. Oh bah ça tu sais hein, dans le TP généralement on est c'est tout ça prend tout petit hein ça hein. Les machines les machins les c'est quand tu vois une pelle même mon gamin il a 6 ans quand il voit une pelle lui il aimerait bien monter dedans hein. Finir ça. Là, je sens que ça va toucher. Non, ça va. Peut-être pas finir ce soir parce qu'il y a encore du taf là quand même. Et Alex, t'as vu BZH, il a publié quelque chose encore. Un JCB. Tu vas m'inviter, Alex? Je vais les essayer, les pelles. Pierre, t'étais parti? Merde, pas ça que je vais faire. Ah, ok.
Ah bah dans le TP, c'est sûr qu'il y a des bons à rien, ça c'est, je suis d'accord avec toi. Mais après, ils sont pas tous comme ça, hein. Ils ont quand même des. Tu sais, maintenant dans le TP, faut quand même des cassettes, faut quand même pas mal de diplômes, hein. Parce que même pour louer maintenant une mini pelle, il te demande le cassès maximum. Hein. Si tu l'as pas, tu peux pas la louer la machine. Hein. Ce soir, t'as fini à 8 h. Ah mais c'est clair. Ah bah de toute manière oui, si t'as pas de cassette, normalement t'as même pas à être sur une machine, donc c'est pour ça que t'es obligé d'avoir un cassette pour conduire des machines comme ça. Après, voilà, je pense que les patrons sont un peu tous comme ça. Avant d'engager un ouvrier, il fait passer les cassettes, hein, je pense. Hein. Après, je sais pas si c'est lui qui les paye ou si c'est toi qui es obligé de te les payer, mais bon, Alex, après, bon, tu travailles avec ton père aussi, donc bon, tu. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que. Un ouvrier qu'engage un gars, si il n'a pas de cassette, il va pas y faire faire de. Il va pas lui donner une pelle, je veux dire. Après, toi, c'est différent. T'as ton père qui travaille dedans, donc bon, il sait ce que t'es. Il sait ce que tu fais, quoi. Il a confiance en toi. Ah, mais t'es peut-être pas dans la boîte à ton père, je veux dire, mais. C'est ton père qui te donne la permission, c'est. Je sais pas. Parce que du jour au lendemain, un Gugus qui se présente à une boîte de TP, s'il n'a pas de cassette, je pense pas que ce soit lui va y faire passer les cassettes ou. Je sais pas, moi je sais que bon bah moi j'ai pris des en formation de d'espace vert rien qu'un tracteur tondeuse déjà t'es obligé d'avoir un cassette maximum hein.
Le plus petit cassasse, mais t'es obligé de l'avoir, donc une pelle, une petite pelle, normalement, il faut le cassasse aussi dans la logique des choses. Ah bah je suis ouais bah c'est clair. Bah après voilà, c'est que le patron il est comme ça. Mais après il arriverait peut-être quelque chose de grave, le patron il se ferait peut-être taper sur les doigts à mon avis, non? Ah ouais, lui, il a aucun cassesse, d'accord. Ah bah après, voilà, c'est comme ça. Ouais. Après peut-être que c'est pas obligatoire, je sais pas moi, hein, mais je sais que vers chez nous, si t'as pas de cassasse, une petite pelle, même une petite pelle, tu veux la louer, il te la passe pas. Hein. T'es obligé d'y montrer le cassasse, comme quoi t'as passé des formations exprès pour l'apprendre. Sinon bah t'es niqué quoi. Ah bah c'est sûr oui, si t'as pas l'autorisation tu peux rien faire, je suis d'accord Alex. Après tu bon bah c'est comme tu métier, tu dois passer devant la MSO, devant des trucs comme ça je pense. Hein. Tu dois avoir une visite médicale à passer, bah, je pense. Hein.
Ah bah ouais, non mais ça c'est comme dans toutes les boîtes, hein, de toute manière. La visite médicale est obligatoire. Du moins, elle est obligatoire. Si le patron, il te la fait passer, hein, c'est toujours pareil, hein. Parce que... Mais normalement, dans la logique des choses, il est obligé. Et on est de la bosse là. En pierre, t'abuses un peu là, non? C'est pas ce que tu m'as dit l'autre jour, Pierre. Ah si, tu m'avais dit 13 l'autre jour. Me semblait que c'était moins que ça que tu m'avais dit, non? Il me semblait que tu m'avais dit beaucoup moins quand même, Pierre. C'est pour ça que... Ah, le patron, ouais. Ah, le patron, il est sur les chantiers avec vous.
Ok. Moi, m'appelle, elle me fait un peu chier là. Ah bah je me doute bien qu'il vient pas pour brancher une durite quand même. Non mais t'as des patrons qui passent juste comme ça pour savoir si ça se passe bien mais... Et qui repartent hein. Après voilà, faut tomber sur un bon patron quoi, parce que t'as qu'à tomber sur une tête de con, des fois, bah, c'est nul quoi. C'est ça. Hein. Les dieux. À chaque fois, il y a la pente là qui me casse les couilles. Et qu'est-ce qui me fait le portable?
Ouais, Pierre, vous faites plusieurs chantiers, quoi. Vous faites plusieurs trucs. Ah, vous avez même un microtracteur. Oui, pour tondre à l'entreprise, non? Salut! Ah d'accord, ok, ouais. Ouais, je vois. Ah mais le truc, ouais, c'est que... Ouais, t'as... Bah ouais, mais parce que vous faites plusieurs chantiers, en fait. Vous avez plusieurs... Vous faites jamais les mêmes trucs. C'est varié. Je vais me faire avoir là. Ça signifie quoi, une série B là? Alex? C'est pas pour sur la machine, non?
Merde. Ah, ok. D'accord, ok. D'accord, ok. Ah oui, il y a plusieurs séries en fait. Ouais. Oui, c'est pas ce que vous faites avec que vous leur donnez des trucs. Après, c'est en façon du de la machine. Donc une mini pet, tu la classes dans quelle série alors? Mais la mini, hein, pas la grosse. Il n'y a plus personne. Bon, allez, tiens, on finit ça. Et puis ça serait bien pour ce soir. Le Mac 30. Ok. Ah ok. Non mais ok.
Là bah, je regarderai des. Bah, j'en ai vu, tiens, justement, là. Sur YouTube, des vidéos de. De Pepel. Ouais, parce que ouais. Oui, après tu dépends laquelle l'appel comment elle est quoi. Si c'est une petite pelle, si c'est une grosse pelle. Puis après ça dépend des chevaux qu'elle a aussi, je pense. Hein. On t'a dit. Moi, c'est parce que je suis tombé dessus au hasard, hein, Alex. Il avait la même que celle-là, là. C'est celle-là qu'il avait, la CE300. Et il te montrait tout, lui. Merde, je vais où là? Ah, le poids ça compte quand même. D'accord. Ah ouais, bah tu vois, je savais pas que le poids de la machine comptait là-dessus. La C300, ouais. Est-ce que j'arrive à monter? Voilà, j'ai réussi à monter. D'anciens conducteurs. Ah bah moi ça m'aurait plu d'être là-dedans. Mais bon.
Après, c'est sûr que dans le TP, de toute manière, ils prennent un peu. Salut, Lulu. Ça va et toi? Après, dans le monde du TP, il y aura toujours du boulot, hein, faut pas croire, hein. Avec tout ce qu'ils font maintenant. Bon, bah, si tu vas bien, tant mieux. Bah c'est pas comment je fais, c'est que c'est des modes et une carte faite pour du TP, donc c'est des modes spéciales. Lulu. Ah mais je suis d'accord avec toi Alex, hein, mais de toute manière, tu regardes, hein, maintenant, des travaux, il y en a partout, même du côté de chez moi, là. Ils font des travaux partout, ils refont la route partout. Donc c'est pour ça que je te dis, bah, du boulot, il y en a là-dedans, il y en a tout le temps, quoi. Parce qu'ils refont des nouveaux trucs, des nouveaux ronds-points, des nouvelles routes. C'est une map qui est en téléchargement, Lulu. Celle-là. Suffit de la trouver. Eh ben écoute, tu te désabonnes, Lulu, hein. Ça me dérange pas, moi.
Ah bah Alex, laisse Alex. De quoi, Alex, pas mal. Ah ouais, tu parles à... Tu conduis déjà pas mal, Pierre. Ça m'étonne pas, toi. 8 ans déjà, ça la représente quand même, hein. Une Kubota. Ah bah je me doute bien que 8 dans le TP c'est rien, Alex. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est déjà pas mal, hein, 8 putain. Bah ouais, après faut que tu cherches hein, des modes, il y en a plein, Lulu, hein.
Mais si tu regardes bien, il y en a des maps à télécharger en TP, Lulu. Après, il suffit de chercher. Bon, je te dis pas que tu trouveras la même que la mienne, mais tu peux la trouver si tu veux. Ah bah oui, si t'as pas internet. Après, Lulu, tu joues sur quoi? Sur PC ou sur console? Parce que si tu joues sur console, tu peux oublier, hein. Parce que moi, je suis sur PC, là. Parce qu'il y en a plein qui me disent, bah, comment on fait pour avoir des modes PC, console, ça n'existe pas, hein. Bah, du TP en console, ça n'existe pas. Après, Lulu, si t'as internet. Tu tapes fs17.com et t'auras des trucs. Là, je suis à moitié dans je sais pas quoi là. Oui, c'est FS17 mode, c'est pas point com, c'est mode. Merde. Bon, ben j'aurais pas mal avancé ce soir. J'en aurais fait une bonne partie. Je vais juste la stabiliser correctement parce que sinon... Et ben voilà.
C'est mieux quand c'est rangé quand même parce que... On va juste y rapprocher le tos, ça sera déjà fait pour demain. Comme ça, moi. Ce qui sera fait ne sera plus à faire. Tac, tac. Ça, je vais leur descendre là-bas. Et Alec, tu sais comment elle fonctionne, la machine enrobée, là? L'autre jour, j'ai réussi à la mettre en route. Et là, j'ai même pas eu moyen. Ah, c'est quoi ça? Après, je pense que je vais me taper le chantier, tu sais, auquel est le chemin de fer. Ah, c'est pareil, il y en a pour un bon moment. Attention. Salut Pierre, bonne nuit. Moi c'est pareil, tiens, je vais pas tarder d'arrêter. Voilà. Allez. C'est bon pour ce soir.
Donc, bah, je vais vous laisser là pour ce soir. On en aura bien avancé sur notre petit chantier. Il nous reste un temps. Pour demain, on va essayer de se finir ça demain, tranquillement. Lui, on va essayer de se le mettre bien. Voilà. On va faire comment? Comme ça. Voilà. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et on se dit à demain. Alex, si tu m'entends, bonne soirée. Pierre, bonne soirée à toi. Et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao!